Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande session d'information dominicale sur la chaîne de référence Antenne A. Tout de suite, les sommaires. La semaine qui s'achève aura été marquée par la capture des bourreaux du jeune étudiant de l'UNIKIN, Chamakwete Honoré. Ils ont été jugés et surtout condamnés à la peine capitale par les tribunaux militaires de garnison de Kinshasa, Ngaliema. Un invité sur ce plateau, il s'agit de mon estimé confrère José Moussangana, que je dis déjà bonsoir. Bonsoir Sylvain. José Moussangana est journaliste et reporter, présentateur des émissions et du journal télévisé. Mais ici, nous les recevons dans une autre casquette, celle d'écrivain. Je vais revenir à vous tout de suite, mais bien avant, l'actualité immédiate. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé par vidéoconférence le vendredi 6 août 2021 la 14e réunion du Conseil des ministres du gouvernement de la République démocratique du Congo, dont voici ici un extrait du compte rendu fait pour vous par Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Compte rendu de la 14e réunion du Conseil des ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 6 août 2021 la 14e réunion du Conseil des ministres du gouvernement de la République. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. De la communication du président de la République, chef de l'État. La communication du président de la République a porté sur 5 points, à savoir 1. De la nécessité de faire du franc congolais une monnaie forte et stable. Le président de la République a appelé à une réflexion profonde pour faire de la monnaie nationale une monnaie forte, stable et compétitive, dans l'objectif d'agir pour l'amélioration des recettes collectées par les régies financières. Il a encouragé le gouvernement à concrétiser son engagement de mettre en œuvre des politiques macroéconomiques crédibles et d'accélérer les réformes structurelles devant, à terme, concourir au renforcement de la stabilité interne et externe de la monnaie nationale en vue d'améliorer significativement le pouvoir d'achat du citoyen congolais. Le renforcement de cette stabilité pourrait aussi trouver écho dans l'accélération du processus de dédollarisation par l'application stricte d'une série de mesures visant à utiliser le franc congolais comme unité de compte pour toutes les transactions sur le territoire national. Le gouvernement de la République et la Banque centrale du Congo devraient, dans cette optique, consolider les efforts pour faire de la monnaie nationale une monnaie stable et forte. Du point de vue de la communication du président de la République, chef de l'État, portant sur les allègements fiscaux en octroyant aux concessionnaires des services publics des télécommunications. En vue de lever un obstacle majeur dans la réalisation de la vision de faire du numérique un levier d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès social, le président de la République a rappelé aux membres du gouvernement que cette question est inscrite dans le programme du gouvernement sous le pilier 9, portant sur la promotion et le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Cela passe notamment par l'octroi des facilités aux opérateurs économiques intervenant dans la construction des infrastructures en vue d'accélérer le déploiement intégral de la fibre optique à travers le pays.
et l'organisation non gouvernementale La Voix des Oubliés a procédé à la remise d'une chaise roulante au home de vieillards de Kingasani. Nous sommes dans la commune de Kimbanseke. C'était ce samedi 7 août 2021. On fait le point avec José Moussangana et Yves Moussanglaï. Toujours dans le but de souffrir de la souffrance des autres, l'ONG La Voix des Oubliés, par le biais de son président, l'ambassadeur humanitaire pour la paix, Honoré Loango, a tendu son oreille aux cris de détresse poussés par le home de vieillard de Kingasani. Ainsi, pour faciliter les déplacements de ces personnes de troisième âge à mobilité réduite, une chaise roulante leur a été remise le samedi 7 août 2021. Nous avons reçu l'appel de Madame Bernadette qui avait besoin d'une chaise roulante. La chaise qu'elle utilise, ça fait 24 ans. Et avec 24 ans, avec le poids de l'âge, la chaise roulante a connu des problèmes. Et ensemble avec les partenaires, les membres, nous nous sommes dit qu'il était important de venir en aide à Madame Bernadette. Donc c'est important, pas seulement de nous plaire, mais de plaire aussi aux autres. C'est notre mission. Donc je dis déjà merci à l'hospice qui nous a reçus et aussi merci à Madame Bernadette. Na mona ki papa honoré en ligne. Na sengi soka oki ko sunganga na velo. Alobi oke mama tokotala. E umela ki pete apesinga réponse ke mama mutumoko andimi azo sunga biso na velo. Nazane sengu makasi na geste wasali. Il faudrait signaler qu'il s'agit ici d'une remise symbolique car La Voix des Oubliés a un lot de chaises roulantes qu'elle compte remettre dans les tout prochains jours à cet hospice. L'artiste s'inspire souvent des réalités sociales, c'est le cas de le dire avec Marc Mukendi qui a été marqué par le gangstérisme urbain qui bat son plein dans certains quartiers de la capitale Kinshasa où les bouteilles sont utilisées dans les bagarres rangées. Les sculpteurs se servent justement des tessons des bouteilles pour produire son œuvre. José Moussangana, une fois de plus, cette fois-là, sous les images de Rigo Moulopo. Touché par le gangstérisme urbain qui bat son plein à Kinshasa, observant les pratiques des enfants en rupture familiale qui s'attaquent aux paisibles citoyens en confisquant leurs biens et en se servant de bouteilles comme armes afin de semer la terreur, Marc Mukendi s'en est inspiré et explique ici les différentes étapes qui ont conduit justement à cette œuvre « Pète des tessons de bouteilles ». L'inspiration basée avec des bouteilles. Bon, j'avais dit ça un peu vaguement là. Les Koulouna se battent, quand ils se battent, ils utilisent souvent les bouteilles, tu vois, ils se lancent les bouteilles, c'est cassé. Et puis je me suis dit, non, je vais essayer un peu de faire un peu une étude. Pourquoi pas les bouteilles là qu'on utilise, qu'on casse tout le temps dans les bars. Moi, j'ai fait avec une œuvre. Et puis, non seulement ça, j'ai fait aussi, c'est écologique aussi. C'est une œuvre en bois. J'ai taillé le bois et puis j'ai commencé à coller les bouteilles. Faisant partie du collectif Boigna, l'artiste évoque les difficultés qu'il rencontre. Pendant l'exposition, en fait, c'est par rapport aux ventes. Vous voyez, les gens viennent voir les œuvres, mais les gens n'achètent pas, ils apprécient. Et puis les gens disent non, peut-être les œuvres aussi, il y a une certaine particularité des gens qui achètent ça. Ce sont les blancs. En fait, ici aussi, le mal avec nous, moi je suis jeune artiste. Je ne suis pas soutenu par le gouvernement, bien par une personne. J'ai réalisé mes œuvres seules. Cette œuvre s'est vue une interpellation à l'endroit des enfants en rupture familiale qui sont invités à faire bon usage de bouteilles au lieu de les utiliser pour blesser ou tuer. C'est aussi un message fort axé sur l'apprentissage du métier. Et vous le savez, les meurtres de l'étudiant Chama Kouete, étudiant en G2 à Linkin, avaient tiqué un plus grand nombre de Congolais. Les auteurs de cet acte ont été interpellés, jugés et surtout condamnés à la peine capitale sans admission des circonstances atténuantes par les tribunaux militaires des garnisons de Kinshasa Ngaliema. Suivez. Les verdicts du tribunal militaire des garnisons de Kinshasa Ngaliema, siégeant en procédure de flagrance dans l'affaire du meurtre de Chama Kouete Honoré,
étudiant en GD en lettres à l'université de Kinshasa, est finalement tombé. C'est vendredi 6 août 2021. Les prévenus Mbala Mayemba Benoît et son commandant Wamba Vemba Maurice ont été jugés et condamnés chacun à la peine capitale. Si les condamnés précités peuvent bénéficier des circonstances atténuantes, la majorité devra demander sa composition au tribunal de Pau. Par conséquent, le tribunal vous condamne de la manière suivante. S'agissant de l'infraction de meurtre, à la peine de mort, chacun. Les condamnés doivent aussi aux parties civiles les paiements des dommages et intérêts. 50 000 $ américains pour la partie civile Maurice Miema et 5 000 $ américains pour la partie civile Sarah Tamfumu. Bien avant, la police scientifique, représentée par le commissaire principal Zola, a présenté au tribunal son rapport d'expertise en balistique. Lequel rapport a renseigné que l'étudiant Chama Kouete a été tué par 5 balles tirées par les prévenus Benoît Mbala Mayemba. J'en viens maintenant à vous, José Moussangana, comme je vous l'annonçais tantôt. Bonsoir une fois de plus. Bonsoir Sylvain. José Moussangana est auteur de l'ouvrage intitulé « Chant patriotique et autres poèmes » édité justement chez les Larabiennes au Canada, n'est-ce pas? Bien sûr, chez l'Érablière au Canada. L'Érablière au Canada. Mais dites-nous, José Moussangana, il vous a été facile de publier en ce moment où la République démocratique du Congo a enregistré vraiment une carence en termes de maisons d'édition? Donc là, je dirais non, simplement parce que nous n'avons pas une politique du livre en République démocratique du Congo. Il n'y a pas tellement de maisons d'édition qui soient viables, fiables et valables. Le peu qui existe, n'est-ce pas, c'est à compter au bout de doigt. Le peu qui existe, ils se battent avec le peu de moyens, les moyens de bord. Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai trimballé un peu avec mes tapuscrits. Et un jour, je suis allé voir un aîné qui publie, Honoré Luango, que vous avez vu tout à l'heure là, dans le reportage. Il m'a conseillé de voir M. Magloire, qui est éditeur, le chef de la maison d'édition Érablière. Alors, on a parlé, ainsi de suite. Il a trouvé que mon texte était intéressant. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû payer un coût. C'était abordable, mais je ne suis pas arrivé à payer la totalité. Il y a un ami au Canada qui m'a aidé. Et voilà, aujourd'hui, nous avons l'œuvre. Aujourd'hui, nous avons l'œuvre, comme vous venez de le dire, mais peut-on savoir la nature de la poésie que vous exploitez dans ces Justement, dans ce livre, il y a deux parties. Il y a une partie consacrée au patriotisme, une autre consacrée, n'est-ce pas, à la poésie romantique. La première partie, c'est la poésie engagée. Je vois très mal mon pays qui plonge dans la dérive tribale, ainsi de suite, tout ça. Je vois très mal. J'évoquais des noms. Pour dire aux gens, il ne faut pas oublier ces noms-là. Quels sont ces noms-là? Mamadou Ndala, qui a été tué alors qu'il s'est battu pour la cause de notre pays. J'ai cité Rossi Mukendi. J'en ai cité Monseigneur Catalico. Donc tous ces hommes-là qui sont morts, c'est pour la cause noble, l'intégrité territoriale, c'est pour l'alternance pacifique, ainsi de suite, tout ça. C'est ça un peu. J'ai demandé aux gens de ne pas oublier. De ne pas oublier qu'il y a les sangs qui a coulé, les sangs de dignes fils de ce pays. On ne doit pas traînailler là dans le tribalisme, on ne doit pas traînailler là dans des choses qui ne nous permettent pas de tisser du bon coton. Vous avez appris qu'il y a des détournements. Pourquoi il y a des détournements? Parce qu'on n'aime pas son pays. Le patriotisme est un remède qui nous poussera à aller de l'avant. Donc si je vous comprends, c'était pour vous une façon de valoriser justement et toutes ces personnes-là qui se sont battues pour la cause de notre Justement, pays. J'étais hanté, je ne dormais pas parce que de nature, je suis très sensible. Quand je vois un événement, quand je rentre, j'essaie un peu de méditer autour de la situation, ça me rongeait un peu, je ne dormais pas. Rossi Mukendi, Mamadou Ndala, il m'est hanté ces êtres-là. Voilà pourquoi... Ils sont nombreux, justement. Ils sont nombreux. Il y a aussi Thérèse Caparal que je cite, il y a aussi le Franck Nguik qui fut journaliste, tout ça, Monseigneur Catholique que j'ai déjà cité. Alors quand j'ai dormi, ma seule façon de me guérir de cette situation, une sorte de thérapie, c'était de pouvoir écrire. Voilà, nous en sommes arrivés là. Mais une autre partie consacrée à l'amour, à la beauté de la femme, à cette merveilleuse chose que Dieu nous a accordée, l'amour, la beauté de la femme, mais aussi une partie consacrée aux œuvres pamphlétaires, où je critique, parce que je suis observateur social aussi, je critique certains comportements, tout ça. Mais comment procédez-vous justement quant à la promotion de ces recueils?
Alors, c'est vrai, j'ai commencé par voir la ministre de Mines, parce que là-dedans, il y a aussi un poème consacré à une fille qu'on a amenée comme ça, c'est une session de guerre, hein, conflit, tout ça, qu'on a ramenée, tout ça, dont on a tué les parents, on l'a violée, ainsi de suite, tout ça. C'était dans les sites miniers. Et son Excellence, j'avais demandé l'audience, elle m'a accordé, et puis elle m'a vu, elle a aimé, elle m'a soutenu, tout ça. Je prévois rencontrer les ministres de PSP, Tony Mwamba, qui va m'aider, ainsi de suite, tout ça, parce que ce livre-là doit être lu à l'école. On doit apprendre le patriotisme au niveau des élèves. C'est important pour moi parce que les aînés nous ont déçus. Vous voyez un peu ce qui se passe avec les confessions religieuses. On ne doit pas évoluer dans les suspicions qui versent dans le tribalisme. Ce n'est pas aimer le Congo, ce n'est pas aimer son pays. On doit aller de l'avant, on doit mettre de côté toutes ces attitudes-là qui ne nous permettent pas d'avancer. Et les livres hein, ou les recueils se vendent déjà à combien? il est à 20 dollars. Il est à 20 dollars. Mais c'est un prix abordable. Je pense que c'est très abordable par rapport au contenu, parce qu'il faut dire que je me suis battu bec et ongle pour arriver à réaliser ce travail. C'est à 20 dollars, mais il y a ceux qui sont à l'étranger qui commandent déjà chez Amazon, une librairie numérique. Quand vous commandez, on sait vous le faire parvenir là où vous êtes. C'est déjà un ouvrage de combien de pages? Une cinquantaine de pages. Il y a sept poèmes consacrés à la patrie, quelques poèmes consacrés à la beauté de la femme. Des autres poèmes sont consacrés aux œuvres pamphlétaires. Hein. Je passe au crible de critiques certains comportements dont je suis victime aussi. Mais comment vous procédez? Quelqu'un qui se trouve par exemple en Mbandaka, comment il va faire pour se procurer de ce ouvrage? Alors Sylvain, il ne faut pas ignorer qu'en Mbandaka, il y a aussi les numériques, il y a aussi cette poussée vertigineuse de nouvelles technologies, il y a aussi le téléphone, il y a Internet, ainsi de suite. On peut s'en servir pour acheter via Internet. Mais aussi, je compte aussi faire une tournée dans les provinces pour sensibiliser. Moi, je suis très touché par ce qui se passe. Il y a un tribalisme qui bat son plein, qui commence à ronger la société. Il faut dénoncer ça. Ma seule façon de dénoncer, c'est pour faire cette ronde, pour parler à mes compatriotes. Je vais revenir à vous, José Moussangana, mais d'abord, prenons ceci. Vous avez compris, c'est l'heure de parler de la page rétrospective de la semaine. L'actualité a été dominée notamment par les 100 jours du gouvernement Sama Lukonde depuis sa mise sur pied, ce premier gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Et à cette occasion, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde s'est livré à la presse au sujet des actions menées jusque-là par son gouvernement. On suit ici un extrait de son intervention choisi pour vous par James Katamboa. Je vais revenir peut-être sur deux choses. Premièrement, c'est l'autorité de l'État. Parce qu'un État n'est véritablement fort que lorsqu'il a la maîtrise en fait, de toute la situation du pays. Et donc, la première des choses, c'était, d'ailleurs, action 1 dans notre programme du gouvernement, avoir cet état de siège tel qu'il avait été demandé dans certaines provinces du pays, notamment dans le nord Kivu, Ituri, et le sud Kivu. Mais à côté de ça, bien sûr, et je l'ai dit, c'est d'abord les moyens. Et donc pour avoir ces moyens, il fallait absolument stabiliser notre cadre macroéconomique. Et je pense que depuis le temps que nous sommes installés en tant que gouvernement, et ici c'est tous les acteurs du gouvernement qui sont interpellés, bien que il y a des ministères sectoriels qui, eux, font le suivi au quotidien, mais nous avons pris l'engagement de travailler sous des critères de bonne gouvernance. Et donc, effectivement, lorsque l'on regarde les chiffres tels qu'ils étaient en 2020, parce que nous ne l'oublions pas, lorsque nous quittons l'année 2019 et que nous entrons en 2020, nous avons des perspectives assez intéressantes. Mais finalement, nous avons le coronavirus qui vient, qui s'invite dans le monde et qui perturbe toutes les nations, et nous y compris. Et donc, on peut voir cet effondrement que nous avons eu en 2020 du PIB, qui a chuté, qui est descendu à 1,7. Et donc, il fallait non seulement qu'il soit remonté en 2021, mais qu'il soit stabilisé. La situation politique était assez compliquée.
Et donc, il fallait redonner de l'espoir, parce que finalement, ce qui permet à ce que nous puissions maintenir notre PIB, c'est d'abord l'activité économique soit maintenue, mais surtout qu'il y ait des critères d'espoir assez intéressants pour que, finalement, nous puissions stabiliser les choses. Et nous avons réussi à le faire en 2021, depuis que nous sommes là, 4,9%, comme vous pouvez le voir, et nous avons des perspectives encore plus intéressantes qui sont en train de venir. Mais à côté de ça, si jamais nous regardons, parce que ça fait partie des critères justement du cadre macroéconomique, en 2020, vous pouvez voir, à cause du corona où est-ce qu'on était, et aujourd'hui en 2021, c'est vraiment une maîtrise de notre taux de change qui est resté relativement stable, et c'est là pour moi l'occasion de dire que même lorsqu'on parle de dédollarisation de notre économie, ça passe par là. Ça passe par une stabilité de notre monnaie sur une période suffisamment longue. On dit de 10 ans, et donc moi je souhaite bonne chance, non seulement à ce gouvernement qui est là, mais dans la suite, véritablement nous puissions avoir cette stabilité qui va permettre à ce que le Congolais puisse refaire confiance à sa monnaie et la garder. On va poursuivre ce journal pour vous dire que l'actualité a été également marquée par la plénière au niveau de l'Assemblée nationale sur l'audition du ministre de la Défense pour parler de l'évaluation de l'état de siège. Les députés nationaux sont donc dans l'attente de la réponse du ministre des tutelles qu'ils ont auditionné le vendredi 6 août sur l'état de siège. 48 heures lui ont été accordées afin de s'y préparer. Polydor Patrick Ngaziami revient sur cette plénière qui inaugure la série d'auditions initiées à propos. La commission défense et sécurité de la chambre basse du Parlement a entamé les travaux approfondis d'évaluation de l'état de siège en vigueur dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Et ce, 90 jours après son entrée en vigueur. Au premier jour des travaux, la commission a procédé aux auditions du ministre de la Défense et du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Les travaux se sont déroulés dans un climat de sérénité. Les échanges ont porté sur plusieurs sujets et il va revenir dans 48 heures pour répondre à certaines préoccupations des honorables. Il sera donc de nouveau devant les députés nationaux lundi prochain. Le même lundi et toujours dans le cadre des auditions, les élus du peuple auditionneront le ministre de la Justice avant de poursuivre avec les autres auditions, a circonscrit le président de la commission parlementaire. Le député Saint-Nicolas Irakan, membre de la commission et élu de l'Ituri, s'est dit de son côté satisfait d'auditionner les membres du gouvernement et d'écouter l'armée. Nous avons commencé à la séance plénière pendant 10h30. Nous venons de continuer à commission, donc il y a des éléments que nous sommes en train de recueillir. Et quand le gouvernement va répondre, parce que nous leur avons donné 48 heures avec l'état-major, c'est alors que maintenant nous allons analyser en interne toutes les deux provinces Nord Kivu et Ituri pour qu'on sache qu'est-ce que nous faisons, quelle position nous prenons face à la réponse que nous allons recevoir du gouvernement et de l'armée. Le travail continue au niveau de la commission car il y a beaucoup d'éléments qu'il faut recueillir. Il faut rappeler qu'au cours de cette audition, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda était accompagné de la ministre des Relations avec le Parlement ainsi que du chef d'état-major général des FARDC, le général Célestin Bala. Et le ministre national des Transports, Voies des Communications et du Désenclavement, Chérubin Okende, ne relâche pas. Chaque jour qui passe, il s'active avec les concours de l'ensemble du gouvernement Samalukonde pour apporter des solutions idoines aux préoccupations exprimées dans son secteur. Les condensés de ces KT, la semaine qui s'achève aujourd'hui dans ce grand format choisi pour vous par Eric Isami. Allé à la rencontre des agents de la société de transport public, Transco. Au siège d'exploitation à la 18e rue Limété, le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements, qui venait de suspendre le comité de gestion, a écouté d'autres désiderata des agents grévistes.
Merci na nyoso oyo sali po na ba papa pe ba mama o baza awa. Olongoli biso na kati ya libulu munene. Ayant démontré la ferme volonté du gouvernement à trouver des solutions aux problèmes qui minent Transco, Chérubin Okende a demandé aux agents de reprendre le travail. Awa tozali koluka ba solution. Na epsibino que lelo. Moye kokota te sans que nouveau comité provisoire e kokakozala. Na sengi bino bosa la paix acte de bonne foi. Na sengi bino bozo ba disposition nyonso po mosala e banda. Considérant la vision du président de la République Félix Tshisekedi telle que relayée par le gouvernement central concernant le désenclavement du territoire national comme base essentielle du développement économique et social à travers notamment le développement du transport aérien, le gouvernement de la République, par le biais du ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements, a conclu un protocole d'accord avec Ethiopian Airlines Group. L'objectif est de favoriser le développement des investissements dans le domaine de l'aéronautique, la consolidation de l'exploitation des réseaux, ainsi que le renforcement des capacités sur les plans techniques et opérationnels. Réalisant la promesse ferme faite aux agents de Transco, Chérubin Okende a nommé un comité de gestion intérimaire à la tête des transports au Congo. C'est le mardi 3 août que le nouveau leadership, avec comme directeur général intérimaire Chief Chipamba, a procédé à la remise et reprise au secrétariat général au transport. Des personnes utiles aptes à affronter cette réalité de la société Transco, qui est une entreprise malade, en faillite, et qu'il faudrait relever de la déchéance. À l'occasion des 100 premiers jours du gouvernement Samalou Kondé, Chérubin Okende a pris part à la messe d'action des grâces organisée à la primature en présence du chef de l'État. Répondant à une question de la presse sur la situation à Transco, le ministre des Transports a donné des éclairages. Nous utiliserons les banques pour que leur salaire tombe à point nommé et dans les délais convenus. Comme à l'accoutumée, le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements a pris part active à la 14e réunion du Conseil des ministres présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette détermination à trouver une solution. Eh oui, Chérubin Okende ne dort pas sur ses lauriers depuis le déclenchement de la grève à Transco. Ayant lui-même reçu du président de la République des instructions relayées par le Premier ministre pour résoudre définitivement cette grogne, le ministre des Transports a impulsé la levée définitive de la grève qui aura duré 2 semaines. Le samedi 7 août, les agents ont eux-mêmes remis en état tous les pneus des bus qui étaient stationnés sur le boulevard Lumumba au 2e siège des Transco à Limété. Mouvement en essai que non. Ayant pris conscience, les agents ont eux-mêmes déplacé les bus qui servaient autrefois des barricades pour les amener au dépôt principal des machines à Siforco afin que le travail reprenne effectivement le lundi. À Transco, la grève appartient désormais au passé. José Moussangana, nous allons devoir terminer, mais quel est le message que vous véhiculez à travers cet ouvrage intitulé « Chant patriotique et autres poèmes » ? Question pertinente, Sylvain, tu sais que les minéraux sont épuisables. Bientôt, nous allons entrer en guerre parce que nous sommes hyperpuissance hydraulique. Il y aura la guerre de l'eau. Mais la seule richesse non encore exploitée jusqu'à nos jours en République démocratique du Congo,
c'est l'amour de la patrie, notre mère patrie. On doit l'aimer, on doit la chérir, on doit, n'est-ce pas, éduquer nos enfants dans ce sens-là, c'est-à-dire aimer sa patrie comme le font d'ailleurs les Américains. Il faut aimer ce pays. Quand on aime ce pays, on ne détourne pas 13 millions de dollars, surtout quand on est militaire. Quand on aime ce pays et qu'on est membre de confession religieuse, de la plateforme confession religieuse, on va jusqu'à chercher l'intérêt national, pas des intérêts individuels plongés dans le tribalisme. Voilà un peu mon message. Merci beaucoup José Moussangana d'avoir répondu à toutes nos questions. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette grande session d'information, mais avant de nous quitter, prenez les rappels des titres. La semaine qui s'achève aura été marquée par la capture des bourreaux du jeune étudiant de l'UNIKIN, Chamakwete Honoré. Ils ont été jugés et surtout condamnés à la peine capitale par les tribunaux militaires des garnisons de Kinshasa, Ngaliema. Ce journal est complètement terminé. Si vous l'aviez aimé, dites grand merci à Patrick Borel Mukendi, Mwadiambita, chef d'édition. Bardolelo était du côté de la régie finale et derrière la caméra, c'était Jouzen Belebele. Quant à moi, je vous retrouve le dimanche prochain. Au revoir.